Bon, ce soir, c'est les freaks, ouais, c'est ça, les soirées, les freaks. Ouais. Il y a seulement 2% de trucs qui parlent des freaks, il y a Rick James, et aussi il y a les freaks show. Je pense que ce soir, c'est les freaks show. Quand tu parles des freaks show, dans 2100, il y a un numéro qui commence les carrières de tous les gens qui travaillent dans les freaks show. C'est vraiment ça, c'est possible pour tout le monde. Et c'est pour ça, c'est un peu chiant. Mais quand tu, commences les freak shows dans 2100, tout le monde commence avec les grosses clous. Et le marteau. Tout le monde savait ça, quand tu viens chez toi ce soir, tu fais le même, mais tu commences avec un clou et ton nez. Oh. Et ouais, ça c'est pas mal, mais quand même il y a plein de gens qui font ça. Donc, pour arriver avec un status freak, c'est possible, c'est nécessaire pour faire un peu plus. Donc, tu arrives avec le 12e clou. Mais quand même, ça c'est pas mal. Mais encore, est-ce que tu veux achever une frontière nouvelle? Tu sautes le 3e clou. Mais quand même, c'est possible pour faire ça tous les soirs. Mais aussi, je suis un peu malade, donc juste, je monte les autres choses. Quand tu vous montes après les clous, tu sautes ton couteau, ou un couteau que je trouve dans les roues parce que j'ai perdu le vrai couteau. Et que même cette couteau, c'est aussi plus grande, et c'est un peu trop pour mon nez, et c'est rouillé, et c'est vraiment tranchant. Mais tout de même, c'est les soirées freaks, donc voilà. Normalement, j'y arrive pas avec un opener 8. C'est pas possible avec plus qu'un opener 7, mais. Ah, je m'en fous. Cette style, tu arrives avec une réputation dans le monde de freak show et sideshow aujourd'hui, parce que quand même, c'est possible pour tout le monde de mettre un clou ou un tournevis dans les dents, mais quand tu arrives avec un couteau, tu as trouvé dans les roues, ça c'est pas mal. Mais pour moi, je pense que je suis pas vraiment un freak, je pense plus que je suis un styliste de piercing. Parce que pour faire les piercings, c'est pas vraiment freakish dans 2006. Mais quand tu fais les piercings dans un style spécial, c'est plus ou moins un styliste de piercing atypique. Un moment, ça c'est un peu lourd. Ah. Mais par exemple, le traditional clou dans les langues. Tout le monde aime ça, non? Combien de personnes ici ce soir élevées avec un piercing dans les langues? Hein? Ah ouais, c'est 95% bien sûr. Mais pour moi, quand j'ai fait ça chaque soir. Je commence avec le même clou et le même marteau et c'est un peu comme ça. Oh, ah, pardon. Je peux le faire.